Trinidad. Donc, le pénalise, vous l'avez vu, pas de 9. Alors que le champion de France 1996 du concours général, Éric Casimir, 19 ans, aborde l'une des grandes spécialités de son frère, Patrice. Champion de France, mais je dirais aussi champion d'Europe junior de la spécialité, sur les traces de son frère, d'Éric. Regardez cette ligne, cet allongement maximum. Ah, c'est exceptionnel. Le comme bassin extrêmement haut au-dessus des appuis. Oh. Hop là, oh, malheureusement, la mécanique. Ah, c'est vulnérable. Vulnérable, un gymnaste à ce niveau de la compétition. C'est vrai que 1 minute 10 d'évolution, et bien à la 50e seconde, il ne restait plus grand chose. Éric Casimir coince sur cet appareil, mais il reprend. Aïe, aïe, un peu perturbé. Un peu de fatigue dans les bras. La compétition s'est terminée à 23h hier soir. Et un petit peu de mal à récupérer. Il va se rattraper à la barre fixe. C'est sûr. Alors. Voilà, là, ça va ouvrir les portes peut-être aux plus jeunes qui monteront. Ah, mais il y a Éric Poujade sur le podium, bien sûr. Ah, oui, il y a encore Éric Poujade. Il y a trois places sur le podium. En tout cas. Éric Casimir, donc, qui avait été le plus complet hier soir lors du concours général, eh bien, disputait cette finale de cheval d'arçon qu'il aurait normalement dû survoler. Eh bien, voilà donc l'un des favoris qui coince un petit peu. Mais ça, c'est normal. Il faudra qu'il mûrisse, ce Éric Casimir, qui me paraît aussi talentueux, sinon plus, que son frère Casimir, Patrice.